La e-santé a-t-elle raté une marche? Alors que les usages avaient explosé durant la pandémie de Covid avec les téléconsultations, les nouveaux outils numériques, eh bien, tout cela ne semble pas avoir tenu dans la durée et les anciennes habitudes sont revenues. Que s'est-il passé et comment bouger alors que les systèmes de santé sont toujours sous tension? C'est la question que nous poserons au docteur Keith Grimes. Britannique, médecin généraliste de formation, spécialiste des outils de santé digitale, il a contribué toutes ces dernières années au succès de Babylon, l'une des plus belles réussites européennes en télésanté. Elle propose des téléconsultations et de l'intelligence artificielle pour analyser les symptômes, même en cas d'urgence, et prévoir l'évolution des pathologies. Ces outils sont déjà utilisés par le NHS en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et dans des pays d'Afrique. Nul doute que son regard sera pertinent et passionnant. Rendez-vous donc pour la grande conférence inaugurale de l'Université de la e-santé à Castres le 27 juin prochain.